Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons le marquis Thiob Unio, maire de la ville dans la ville de Bergen, la marquise Inga Unio, colonel en la ville de la ville de Bergen, et docteur marquis Toto Unio, inquisiteur en la ville de la... Bergen. J'ai dit un peu trop de fois dans la ville pour elle, non? En la ville de la ville. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Pas mon vouloir. Alors... Reprenons. Reprenons. Et qu'est-ce que j'avais bouiné, moi, l'épisode d'avant? Ah oui, on était en train de construire tout un complexe autour de la maison de campagne. Maison de campagne qui va plus être trop de campagne vu le passage qu'il va y avoir. Oh, purée. Puis-je aider? Oui, toi tu fais le... les comptoirs et tables, s'il te plaît. Oh, rhétorique. On a un oh, rhétorique au max. Hein? Pourquoi ils donnent tous leur préavis? Est-ce que par pur hasard, il n'y aurait pas un pamplet ici? Où est-ce qu'il peut être? Wow! Ah ouais, d'accord, il y a tout le monde qui se barre là, c'est quoi là? Je fais face à une rébellion ou... Wesh? Il y a forcément un pamplet, le problème c'est que j'arrive pas à le trouver. Il est où? Il est où ce machin de pamplet là, mes deux? Très bien. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Les gars. On n'a rien sans le travail, c'est toute ma vie. Je vais tous vous réquisitionner. Toi, fais-toi Et la vite petite soigner. Pérès, Spiritu. Mais j'ai personne là. Oh. Il y a un problème? Direction Londres. Londres. On a des pampelés à arracher, je sais même pas qui a fait ça en plus. Allez, achetez-moi cette chaîne d'échevin. L'inventaire est Achetez-moi bon. cette chaîne d'échevin. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que c'est à Londres. Et qu'à Londres, tout le monde me déteste. C'est étrange. Quelqu'un vient de vous C'est quand même parler. étrange tout ça. Hein. Voilà. La mairie, rendez-vous à la mairie. Oui. Qu'y a-t-il? Quelqu'un vient de vous D'ailleurs, parler. j'y réfléchis, ça m'arrive. Je vous jure, des fois comme ça, j'ai des... Puis-je aider? S'il n'y a que ça. Je vais faire Écoute, quelque chose de laisse-moi. spécial avec lui. Déjà, pourquoi? Alors, ah ouais, d'accord, tu peux administrer les traitements, mais tu peux pas te soigner toi-même. Ah, c'est quand même ballot, ça. Et sinon, la main-d'œuvre, là? Il est 6h du matin, il dort, mais gna. Donc ce que je vais faire, c'est que lui... Je vais l'envoyer en... Je vais lui demander de postuler à Hambourg. Essayer de choper le poste de... De reine, bah de roi du coup. D'être aménagé. Plutôt de roi. Allez, suivant là. Auberge.
Je me disais c'était pas vraiment une auberge. Hein. Fait des tapis, ok, très bien. Bon voilà, il aura administré quelques traitements. Et mine de rien, ça donne de l'expérience. Allez, soignez-moi Comment ça s'appelle? Les médecins. Non, il n'y avait pas d'autre nom. Bah! Ego sum qui sum. Ah! Ah bah désolé! Bon, quand est-ce que je suis pris en charge de cette foutue hospice? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah, enfin. J'y croyais plus. Hein. J'ai de l'expérience. Qu'est-ce que je vais faire en expérience? Ah, non, charisme, je peux pas. Discrétion, je m'en fous. Empathie, démasqué, rhétorique. Ça peut être pas mal. Juste avant de traverser son bourg, je mettrai ma chaîne des cheveux. Oh ouais, mais attends, j'ai presque rien avancé là, c'est dingue. Tu me diras, je suis loin de tout. Toi, tu vas acheter ta chaîne des cheveux. Tout ça pour quelques pourplaies. Aïe aïe. Au travail. Hop, il arrive à Hambourg. Avec plaisir. Maintenant continue ton chemin et rends-toi à Londres. Hop, Hambourg. Pareil, rends-toi à Londres. Je devrais gagner pas mal de. Ouais, ah ouais, les gens ils vont commencer à un peu plus m'apprécier. Là c'est pareil, il faudrait limite que je regarde. Bingo. Ils affichent même des trucs à Hambourg quoi, bande de fiac. Allez, moi. Je vais en rajouter, sur. Je suis sûr que ça doit être eux là. Avec plaisir. Oui. Qu'y a-t-il ? Voilà. En avant. Ok, d'accord. Toi, t'as décidé d'arrêter ton. Pourquoi pas. Hop. Afficher un pampelé. En avant. En avant. Continuons notre chemin. Ok. Petite chaîne. Ok, on a une belle église, c'est bon. Traitement interrompu. Ah, il y a une offre de nourriture à bas prix dans un comptoir. Quelqu'un vient de vous parler. Oui. Allez à Jacta Est. Oh la vache, le charisme il coûte cher. Bien augmenté. Double plus 10 là. Quoi ? Maintenant ? Oui ?
Ça va, je vais arriver à Londres et mon accessoire il fera encore effet. Allez, Nowak, là, il faut vraiment que je les fume un par un. Je vais aller les défier un par un là. Et je vais les assassiner à chaque fois qu'ils vont arriver en ville. Non, mieux, à chaque fois qu'ils vont partir. Voilà, bon. On augmente un peu tout. Notre réputation. Panneau d'affichage, il était là. Avec plaisir. C'est 24 heures pour déchirer un pamphlet. Ah, c'est moche. J'avais pas des... Déjà j'ai une tour qui ne fait rien et j'avais pas... Genre j'avais pas quelques personnes pour défendre. D'accord. Ah si d'accord, ah ils sont planqués juste derrière quoi. C'est con ça. Toi. Tu viens de déchirer un pamphlet aussi non? Ou t'en as juste mis un? On a déchiqueté un pamphlet. Un bâtiment vient d'être rénové. Mon grain n'est pas pourri. Et là, je vais essayer de les trouver, là, provoquer. Il n'y a pas un truc provoqué, là. Offenser quelqu'un. Unité importante. Ennemi. Hop. Toi. Pareil, offenser quelqu'un, unité importante. Le travail, toi. C'est toute ma vie. T'as encore un peu de chemin à faire. L'inventaire est plein. Bon. J'ai un peu augmenté... J'ai bien un peu augmenté mes relations. Dis-moi pas que je vais à la mettre pour enfoncer un mec. Ah si, juste à la fin de la messe. Et salut Catin. Merde, t'as bouffé du foin. Bon, bien, oui j'en conviens. Cette fois, j'insulterai toute votre famille. Même mieux, votre dynastie. Vous venez d'offenser quelqu'un. Je suis le maître. Elle accepte. L'inventaire est plein. Tout respect aux yeux de l'assistance. Et voilà. Bon bah, elle a accepté mes offenses. Je vais retourner au marché ici et je vais acheter un truc toujours pour me faire bien voir. Attends, non, non, me dis pas qu'il y a encore un truc sur ce foutu panneau. C'est bon. L'inventaire est plein. Alors je vais juste voir. Essayer de voir. Où sont-ils? Londres. Attends, mais elle est chez moi? Hors la loi? Attendez les mecs, il y a une hors la loi. On peut la zigouiller. Mince, elle est passée où? On peut les zigouiller sans problème, c'est une hors-la-loi. L'inventaire est plein. Salut à toi. L'inventaire est plein. Ouais, elle est plutôt résistante, hein.
Mais bon. Résistant ou pas, elle reste hors la loi. Et moi, elle est hors la loi. J'en fais mon 4 heures. Bien joué, les mecs. Alors, il y en a un de vous. Ouais, on va le soigner quand même. Faut pas déconner. Un de moins. Voyons voir. Tiens, on va mettre du parfum. On va pas mettre de parfum. Il n'y en a plus. Tout simplement. Il n'y a rien ici. C'est pourri cette ville. Elle est nulle cette ville. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un petit bâton là. Un petit truc pour. Pour riche là. Ah, il y a un collier de perles. Eh ben, heureusement qu'ils ont des trucs. Hein. Oh là là, j'ai commencé à désespérer. Regardez mon collier. Oh, le collier, c'est pourri. Hein. L'inventaire est plein. Ok, ok, ok. Suivant, prochain Nowak. Oh merde, il y en a un qui l'a remplacé. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est dans sa ville, ok. Ok, trois restants sont à Londres. L'inventaire est plein. Ce serait pas dans l'auberge par pur hasard. Là, c'est où là? Là, je suis où? Je suis à Londres. Oui. Quel est le plan? L'inventaire est plein. Alors déjà, on va m'escorter. Voilà. Oui. Ah oui, mais on n'est pas à côté. L'inventaire est plein. J'écoute. Quel est le problème? Bon, hop les mecs, venez là. Oh, on a bientôt assez d'argent pour améliorer notre maison de campagne. Ah, vraiment rien. Il nous manque 6000. Il nous manque rien. Elle est où ma souris? Allez, créons un palace. L'inventaire est plein. Bon. Je suppose qu'il y a encore des pamplets. Il y a encore pas mal de pamplets. Hein. T'es où toi? Ah yes. Avant, retirer un pamplet. Elle est déchirée. Putain. Tiens, à la place, tu peux le rajouter. N'hésite pas, fais-toi plaisir là sur elle. Tu as fait un peu de prosélytisme après. Juste pour. Voilà. Tu vas le faire loin ton prosélytisme? Charlatanisme. Où est-ce que tu vas faire ton prosélytisme? Ok. Pourquoi pas? Bon. L'inventaire est plein. En attendant. J'ai perdu un employé là. Hop là. Voilà, t'as va miner. Et lui a commencé? Non, toujours pas. Bon, étrange. Étrange ma foi. On va retourner à Bergen. Je peux pas encore retirer les autres pampelés. Je referai un autre aller-retour à un moment. D'ailleurs à Bergen, est-ce que j'ai pas. Ah, ils viennent pas les couper à Bergen, hein. Waouh, oh, le nombre de. Arrête définitivement de travailler pour ce. Oh là. L'inventaire est plein. Bon, j'ai perdu de la main d'œuvre à cause de leur connerie. Voyons voir au niveau des pampelés. Ici. Oui. Au niveau de Danzig, où est-ce que ça pourrait être? Bonjour, je cherche l'affichage de Pampelé, s'il vous plaît.
Panneau d'affichage, il est là. On est dessus, on est dessus, on est dessus, on est dessus. Oh, laisse-moi deviner. Il y en a partout, il y en a partout. Par contre. Putain, ça peut valoir le coup d'essayer. Est-ce que. Si par hasard, j'en vois. Un de mes hommes. Est-ce qu'il peut le retirer lui-même? Pardon? T'es téméraire, toi, hein? Ah, ils sont pas encore arrivés. Oh, zut. Ah, ils sont pas si loin en plus. Dommage. Il doit vraiment falloir que je les fume eux, hein, parce que là. Mais vas-y toi, au lieu de crier là. Hein? Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs et vite. Bon, Mon grain n'est pas on les retourne à pourri, l'estaminet, à l'auberge. Soient ceux qui acceptent. Oui. L'expérience que ça lui fait. Moi j'adore. Oui, ouais, ok, d'accord. Ils se suivent, tiens, c'est marrant ça. Tu t'es fait rattraper par ton vieux père. Ah là là. Bon. Preuve de mandalité. Est-ce que j'ai perdu des travailleurs? Où est-ce que j'ai perdu surtout les travailleurs? Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, la mine. Oh bah non, mais non, mais pas la mine. Ça, les mines par contre, principale source de revenus. Ah, c'est que des mineurs que j'ai perdu, mais non. C'est une blague? J'y travaille. Oui, alors non, par contre, tu les vends pas là. Hein. On en a à foutre, on a secoué. Je vais vérifier dans les autres mines s'ils ont pas fait la même connerie. Ah, c'est bon. Ok. Non, non, non. Ok, ça c'est bon. Oups. Ouais. C'est pas très grave, hein. C'est pas une grosse source de revenus. Écoute, qui se barre, c'est eux que ça dans la mouise. Les villes m'appartiennent pour plus que de la pour plus que moitié, donc. Donc trouver un taf, c'est pas si simple quand quand un endroit sur deux, tu sais que ça appartient à une personne que t'aimes pas. Ah ouais? Ici aussi? Je l'ai. Ok, ça c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est Bergen ça quand même normalement. Ça veut dire que même à Bergen ils se sont barrés? À moins qu'il ait pas encore recruté au final. C'est possible qu'ils aient pas eu encore le temps de recruter ici. Le nombre de charrettes. C'est fou. Ah si, je crois que j'avais recruté à fond ici. Ok. Outsectique, tais-toi. Ok, t'es là-bas. Toi, tu vas aller à la mairie de Bergen. Et là, je me dis qu'avec toutes les personnes qu'on a embauchées, pouvoir améliorer, agrandir Bergen, non? Ce serait cool. Où est-ce que tu vas faire ton prosélytisme? Encore plus loin. D'accord, ok. Non mais ça roule, hein, impec. Quel âge? 45 ans, ok. Ça va. Tu vivras assez vieux, au moins 60 ans.
Ça devrait aller. Ah ouais, non, mais lui, il fallait que je l'envoie aussi. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs et vite. Yes. Yes. On peut améliorer Bergen, les mecs. Ah, c'est bien ça. Allez, direction l'estaminet. Un peu de comptoir et table. Pas grand monde, hein. Et si on augmentait le cachet ici? Non, c'est bien. La vache. On a de l'habit nous à vendre. On a de la binouze à vendre ici. Enfin, de l'alcool plutôt. Ah ouais, ça vend? Ok. Ils vont tous me suivre à la trace, quoi, c'est vrai. Ils abusaient un peu, les mecs. Hein. Où t'es que t'en es, toi? T'es toujours pas arrivé avec ton prosélytisme. Qu'est-ce que tu veux? Fleur de la Discorde, pas très annulé, non, c'est mec. Avlok. Bah écoute, Avlok, tu me poses des problèmes, toi, bah tu vas pas m'en poser longtemps. Avlok, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, passe le balai, toi. Avlok, est-ce que t'es dans le coin? Non, donc tu vas forcément sortir de la ville. C'est ça, passe un coup de balai. Dès que tu vas sortir de la ville, tout le monde va te fondre dessus, je te préviens. Tu ne vas pas faire long feu. Elles sont où mes troupes? Qu'attendez-vous? Quel est le plan? Ah voilà. Non, c'était Très bien. toi, hein. Bon, à ce qui paraît, tu m'as jeté une mauvaise chose. Hop, hop, voilà, finissons-en rapidement. Hop là, allez. Finissez-le. Voilà, on va pas en entendre parler. Un bâtiment vient d'être aménagé. C'est pas vrai, c'est pas un meurtre. C'est un juste retour des choses, c'est pas pareil. Je suis le maître. Voilà, lui fait un peu de prosélytisme, c'est parfait. Normalement, il peut faire un procès d'inquisition, mais j'ai rien pour pouvoir le faire. Ok, c'est très bien, elle a fini son prosélytisme.
toi, maintenant! Au travail! Oh, je me suis trompé de mine. Je me suis gravement trompé de mine. Quoique! T'es à Londres? Ça ne prendra pas longtemps. Allez, va retirer un pamplet là, ça doit faire 24 heures, non, bientôt? Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs, et vite! Y a un problème? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends un bain de pied, c'est ça? Ok, non, tu vas à l'église, ouais. Ok, bon, tiens, tu sais quoi? Chut, je vais faire ça. Je sais pas si ça va me rapporter un peu d'expérience, j'espère. Mais où? Alors non, je t'ai demandé d'aller là. Voilà, là ça devrait même avoir donné un peu d'expérience. Même pas. Allez, va préparer un serment. On n'a rien sans rien. Oh oui, si, j'ai une idée. Regardez, regardez, regardez. Chut. Excellente idée. Vengeance. Oh yeah, oh yeah. Barricadez-vous. Barricadez-vous chez vous la nuit. Vous risquez de vous faire enlever par Landgrave Bianca. Yes, c'est tout. Super. Mais je crois que ça fait que je gagne une preuve. Yeah. C'est ça. Là, je vais rajouter un pampelé. Hop. Ah bon? Bah j'ai pas les... Ah bah si. Ah ouais d'ailleurs, ok. C'est joué à genre un quart de millième de seconde. Quoi. On va rajouter des pampelés. Histoire qu'on en rajoute pas sur moi. Et là j'aimerais... Y'a pas... Ça, c'est pas cool. Là y'a rien. Il fait des faux actes disant qu'il a fait de la merde, mais en fait non, je sais plus. Lui, je l'ai envoyé là-bas. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. C'est ici alors, acte de sorcellerie. Document de sorcier, c'est ça. C'est ça les mecs, il me faut document de sorcier 2. Ce document pervers n'a qu'un but, falsifier les preuves contre l'un de vos concurrents. Grâce à ce document, vous pourrez falsifier 2 preuves contre la personne de votre choix. Et il me faut du pain. Je vais acheter du pain, là je vais les mettre dans cette charrette. Hop là. Ça marchait, ça rajoute au journal ou pas? Que dalle. Accuser quelqu'un.
Landgrave. Bianca Novak. Bientôt. Oh merde. C'est terrible ça. Ah, c'est terrible ça. En tout cas, ouais, les chômeurs de travailleurs ont un peu grandi. Hein. Ça, c'est toujours bien. Où est-ce que t'es, toi? Oui, voilà, les arrachins pampelés. En 13h30. Ouais. Fais gaffe, un jour tu vas tomber sur un puits empoisonné, tu vas pas comprendre. La chance pour l'instant, y a rien. Tu vas acheter un petit anneau là en attendant. Et on va déchirer ça. Voilà. Bien moins mal. Encore parfait. Je peux pas en rajouter, hein, c'est dommage. Il y a un problème, Beati, Pauperes, Spiritu. Tu fais un serment pour toi tout seul ou... Oui, 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 totalement, oui, il n'y a personne, hein, qui s'assied. Hein. Ah si. Ah mais non, mais ça c'est... Oui. C'est sa sœur. Là, faut attendre. On retourne à l'estaminet. Hein. Pas mal l'anneau en pierre précieuse. Ça rapporte quelques stats quand même. Qu'y a-t-il ? Bon, je vais aller en... Ah bah non. Je voulais aller à Hambourg pour postuler, mais... Pas sûr d'avoir le droit. Surtout que là c'est plein de chez plein. Je sais pas, peut-être que je vais pouvoir sauter des rangs, on sait jamais. Bon, je vais attendre la fin de la messe quand même, faut pas déconner. Il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir. Voyons. Achète des matériaux de construction. C'est là, là, dites-moi que vous me faites. Oui. En fait, le rang 2, s'il vous plaît. Tu sais quoi, faire un document de sorcier rang 2, toi, envoyer les manuellement. On va les accuser de tout, on va les foutre très mal. Comptoir et table, allez hop. C'est bien, enchaîne mon ami. Ah ouais, oula, dis donc, tu as un âge avancé toi. Médecin. Oula, toi pareil, si t'as pas la cinquantaine. Ok, j'ai rien dit. Il avait une tronche de vieux, désolé. Je suis le maître. Oh, quel charisme. Culture, élément moteur. Robustesse, je préfère. Ça le fait de rang 6. Ok. Qu'y a-t-il ?
Ok, lui il va faire son document de sorcier, c'est très bien. C'est très bien même. Artiste spécialisé en notes. Oh merde, mais le nom. C'est quoi ce nom chelou? Tu peux pas, pas putain, artiste spécialisé en os. Nous travaillons consciencieusement. Je suis là. Ça me met bien. Il y a un enclos même pas utilisé ici. Super. Allez, prépare ton document. Comment ça, tu peux pas? Des merdes de toi. Cui bono. Et ce document. M'en fous que t'en aies pour une journée de travail. C'est un peu glauque quand même. L'ambiance est pas terrible dans le coin. Là, j'ai même pas envie d'imaginer. Je suis là. Oui. Marche bien le petit estaminet, mine de rien. Ouais, tu me diras, la moitié c'est moi, ce sont mes gardes du corps, donc enfin, il va être. Ouais. Voyons. Où es-tu? Oh! Attendez, 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 là. Vous avez vu ce que je viens de voir là? Il y a une Novak là qui traîne dans le coin là. D'accord. Il y a des priorités dans la vie, mon ami. Je sais que tu n'aimes pas de badge, je sais que tu es totalement à Walp. Mais il y a des priorités dans la vie. Qui es-tu? Merde, il y a un garde. C'est pas grave, le but, ton but, mon ami, ça va être de les retarder. C'est pas grave si t'as quelques bleus, c'est pas un souci. Regarde, y a tes copains juste derrière. Tes copains juste derrière qui se touchent la nouille pour l'instant, hein. Allez là! Le garde là qui me. Non. Un foot. Achève-le. Voilà, tu viens pas chez moi impunément comme ça, toi. Vous venez de commettre un meurtre. Suivant, il y a un autre Novak dans le coin? Ouais. Déjà l'heure de partir? Ah bon? Comment ça, je me tape des moins 5 à Google là? Là, il a rajouté des pamplés, c'est pas vrai. Ah non. Et maintenant? Quoi, maintenant? Bon, hélas, lui, il va falloir. Alors allez le soigner. La cour revient sur sa décision. Pourquoi? Arrête de bouger, je t'ai jamais ordonné de bouger, toi, dégage, reviens là. Comme si c'était fait. Tu t'en fous des autres, c'est pas ta ville, c'est Londres.
Le niveau impérial vous est donc désormais ouvert. Après là, après avoir augmenté la ville, normalement je pourrais devenir souverain déjà ici. Hein. Parce que ça me fait gagner d'autres. Démolition de bâtiments. Ah. Ah. Vous savez ce qu'on va en faire du pub. Là, ce bâtiment là. Ça sert à rien. Il prend de la place. Ben, on va le démolir. On rendra roi plus tard. D'ailleurs. Là, c'est un palais du conseil. Ok, je veux voir les différences. Là, c'est un palais du conseil aussi. Là, c'est une mairie. Et là, c'est un palais du conseil. Ouais, même ici, c'est un dandelic, c'est un palais. Oh, merde. Terrible, ça. Ok, lui, il se réveille. Va consulter un médicus, ouais, parce que là, t'as pris, mon ami. Putain, il y en a un troisième, c'est pas vrai, ça. Oh, il va venir m'extorquer, qu'il est mignon. Comment ça? Alors là, j'ai des troupes, normalement, dans le coin. Fait chier, j'étais persuadé d'en avoir laissé. Alors, oui, il y avait un truc. Toi, tu venais m'extorquer, c'est ça? Oui, très bien. T'as pas tout compris, c'est pas grave. Vraiment, ouais. Tu comprends vite, mais faut te l'expliquer beaucoup. Faut beaucoup te l'expliquer plutôt. Où es-tu? Il se planque derrière des charrettes à tous les coups. À moins que j'ai surestimé sa vitesse. Bah. D'accord. Ah. Ah, il a compris, il s'est dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ce n'est pas une bonne idée. Bon, d'accord. Ouais. Le travail, c'est toute ma vie. Encore? Oh bah lui. Faut vraiment finir avec cette dynastie aussi, hein, la dynastie machin là. Faut vraiment finir plus vite, hein, parce que là. Commence à être énervant. Allez, bah moi je vais vous laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Ça avance. Doucement. Mais sûrement. Voilà, 2 no-wack en moins. On va essayer d'en faire 3 en moins bientôt. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, c'était Tiob.